Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement. À une condition, l'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle est de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans ce noble combat en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai entendu au début de la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, qu'elle devrait affecter l'Afrique, le continent africain. Et ça, c'est de la bouche même du ministre ivoirien de l'Agriculture. Le ministre Kobeina Adjumani de la Côte d'Ivoire, sur les antennes de RFI et France 24, essaie de nous faire croire que l'Afrique sera aussi affectée par cette guerre, notamment dans le domaine céréalier. On aura des difficultés d'approvisionnement. Je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. Mais je voudrais vous expliquer le mécanisme qui fait que nous, on puisse être affectés. En fait, c'est à cause de nos propres erreurs, de manque d'objectivité de la part de nos leaders. Hein? Le manque de prévention, le manque de prévoyance, le manque, l'incapacité à élaborer des stratégies et des projets moins coûteux pour nous. Le fait d'être toujours comme hein, des chiens pour la France, et la France nous trimballe partout comme elle veut. Oui, je suis d'accord que nous serons affectés dans la production, l'approvisionnement en matière de céréales et de blé. Mais pourquoi? C'est ça le problème. Ben c'est simple. Parce que nous dépendons de l'Europe, des produits qui viennent de la Russie. Que c'est incroyable. Incroyable! Les produits viennent de la Russie, parfois même de la Chine, mais nous dépendons de l'Europe pour les avoir. C'est-à-dire, ce sont les pays européens, et notamment la France, qui doit acheter et nous revendre. Bien entendu, la France fait des bénéfices. C'est pas elle qui produit, donc elle achète, et elle nous revend. Puisqu'elle nous revend à nous, c'est comme tout commerçant, son but, c'est de faire des bénéfices. Voilà ce qui nous affectera. Pourquoi je dis ça? Ceux de ma génération ont connu cette voiture qu'on appelait Suzuki. C'était, je pense, japonaise. Je pense que c'était Toyota aussi.
des petites Suzuki comme une petite 4x4 là, qui était sortie. À l'époque, quand ces voitures sont sorties pour la première fois, les Japonais nous vendaient cette voiture à 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA. J'étais encore, je pense, en sixième ou cinquième. En tout cas, j'étais au collège. Quand un de mes professeurs vient, il nous dit, mais j'ai raté la voiture. Je suis parti. Il a quitté la ville de Sibiti pour venir à Brazzaville pour acheter la Vespa. Et la Vespa coûtait 500 000. Monsieur a économisé pendant plusieurs mois et il a eu ses 500 000. Et il vient à Brazzaville, il achète sa Vespa. Le lendemain, on lui dit non, mais il y a les Suzuki là qui sont vendus aussi à 500 000. Le gars, il a failli piquer une crise. Voilà le prix que cette voiture coûtait. Parce qu'elle était vendue directement par les Japonais eux-mêmes aux Africains, aux Congolais. Quelques mois plus tard, 3 ou 4 mois plus tard, la même voiture est passée de 500 000 à 3 millions. Puis, bon, 3 millions, 500, 4 millions. Pourquoi? Vous savez quoi? C'est la France qui va se dire, oh non, comme les Japonais vendent des voitures, ici c'est chez nous. Donc elle va au Japon, elle achète ses voitures à 500 000 et elle vient nous vendre ça à 3 millions. Elle se fait un bénéfice de 2 500 000. Bon, quand la douane, les transports et tout, machin, tout cela, comme elle ne paye pas la douane, puisque c'est chez elle, c'est son territoire. C'est comme un territoire d'outre-mer, donc. C'est l'État français, c'est une entreprise française. Elle n'a pas besoin de payer des taxes. Voilà comment la voiture qui coûtait 500 000 va nous coûter maintenant 3 millions. Et c'est la France qui se tape au moins pas moins de 2 millions de bénéfices. 4 fois plus que le prix qui a été vendu, qu'ils ont acheté la voiture. C'est la même chose qui se passe pour les céréales. Les céréales sont produites en Russie, mais ce n'est pas la Russie qui traite directement avec nous, parce que nous avons des dirigeants incapables de prendre leurs responsabilités, d'aller signer des accords avec la Russie. Ils préfèrent acheter ça en France. Et la France qui ne peut pas avoir ces produits-là, parce qu'elle ne les produit pas sur son sol, elle va acheter ça en Russie et elle nous revend ça. C'est pour ça que vous voyez, malgré la différence de prix, parfois le prix de la baguette coûte pratiquement le même prix qu'en France. En Afrique, ça coûte le même prix qu'en France. Vous avez les spaghettis et autres là qui coûtent pratiquement, parfois même plus cher. Parce que justement, c'est la France qui achète et qui nous revend. C'est pour ça que nous serons très affectés par ce conflit, par le blocus. Parce que lorsque la Russie bloque, ou lorsque la France dit, moi, je n'importe pas vos matières premières, votre blé, vos céréales, eh bien, nous qui consommons ce que la France a acheté en Russie, on est bloqué. Et pour résoudre le problème, il suffit que les Africains maintenant puissent se tourner directement vers la Russie pour acheter en Russie. Et c'est ça que Macky Sall devrait négocier avec la Russie. Au lieu d'aller négocier sur la question de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Ça dépasse son entendement. Si même la France ne peut rien dire, quand vous voyez Emmanuel Macron appeler tous les jours Vladimir Poutine, c'est pour chercher à trouver un accord avec lui, de telle sorte que Poutine puisse lui laisser le Mali, puisse lui laisser la Centrafrique et puis les autres pays africains. Eh oui, c'est ça le problème. Ce n'est pas parce que la France s'intéresse. Parce que s'il s'intéressait au problème ukrainien, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis plusieurs années. C'est au moins depuis 30 ans. Mais ça a commencé à exploser vraiment, réellement, en 2014. Mais sinon, c'est depuis 30 ans que les Français eux-mêmes disent
qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre d'accords. On a toujours humilié la Russie. Et la Russie, pour se faire entendre, elle est obligée de taper du poing sur la table. Donc voilà comment nous serons affectés dans une crise qui ne nous concerne pas, où nous sommes aussi des victimes d'ailleurs, puisque nos étudiants là-bas en Ukraine sont dans une situation difficile. Et la situation des étudiants en Ukraine n'a pas commencé avec cette guerre. Elle a commencé avant la guerre. C'est ce que les médias occidentaux ne vous disent pas. Elle a commencé avant la guerre. Eh oui. Nos enfants, nos frères et sœurs qui sont en Ukraine souffrent depuis très longtemps. Les Occidentaux ont commencé à voir ça, les médias en ont parlé, c'est seulement que lorsque notre ambassadeur gabonais en a parlé au Conseil de sécurité. Mais sinon, non, c'est depuis longtemps que ça existe. Et puis depuis qu'ils en ont parlé, vous avez vu, c'est fini. Quand on parle, on dit on veut poursuivre Poutine pour des crimes contre l'humanité, mais personne ne dit ce qui s'est passé, les exactions que les Africains subissent là-bas. C'est ça aussi le crime contre l'humanité. Écoutez, ouais, ça dit que y a de ces choses que les Occidentaux oublient parfois. C'est que nous sommes allés dans leurs écoles, donc les termes qu'ils utilisent là, nous les maîtrisons aussi. Voyez-vous? Et je pense que Macky Sall aurait mieux fait de discuter maintenant déjà avec la Russie pour savoir comment la Russie peut l'aider à sortir tous les Africains qui sont bloqués là-bas en Ukraine, mais aussi comment il faut faire pour que nous, on ne puisse pas manquer de blé et de céréales. Parce que la Russie, c'est quand même le premier producteur mondial. Que ce que les Européens refusent de consommer, qu'ils nous envoient ça en Afrique. On négocie des prix, c'est tout, aussi simple. Parce que entre États, il n'y a pas d'amitié. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. Il n'y a que des intérêts. Donc, le Sénégalais, Macky Sall, devrait se contenter de prévoir les intérêts africains, de sauvegarder les intérêts des Africains par rapport à cette crise. Parce que je vous ai bien dit, c'est comme ça que nous avons des problèmes. Parce que nous attendons, nous sommes les sous-clients de la Russie via les pays européens et notamment la France. Et ça doit maintenant s'arrêter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Nous sommes une force tranquille. Mais je peux vous garantir que j'assume mes propos. Ya bakolerve, ya malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.